Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver exceptionnellement pour le tirage au sort du marché aux puces des couturières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toutes les personnes qui étaient passées sur mon stand, ou presque, qui avaient participé au tirage au sort gratuit, avaient déposé, avaient marqué leur nom et puis leur adresse mail. Donc aujourd'hui je vais proposer le tirage au sort, je vais le faire en direct avec vous, d'accord? Alors les lots qu'il y avait à gagner, c'était ce set de tampons. La chasse aux papillons, le Stampin' Up, hein, c'est la marque que je représente. Je suis vendeuse indépendante chez Stampin' Up. Donc voilà. Alors le tampon est neuf. Hein. Voilà. Donc je l'offre à la gagnante. Ou vous aviez le choix avec ce petit album que j'avais réalisé moi-même pour l'occasion. Alors dessus, vous aviez un shaker. Je sais qu'il a beaucoup plu, mon shaker. Hein. On peut le faire en atelier hein, si vous désirez parce que c'est pas très compliqué. Bon, ça y est, les félins commencent à se taper dessus ou à se gronder. Voilà, donc alors il est tout simple, c'est un petit album tout simple mais qui prend du temps quand même à être réalisé. Alors je le feuillette pour vous montrer comment il est, d'accord. Toc, là on a pour mettre des photos. C'est une pochette. Voilà. Également encore pour mettre une photo avec cette dentelle qui est magnifique. Là, vous avez comme une espèce de cascade. Oui, j'avais marqué cascade. Il faudrait que je le gomme d'ailleurs. Où est ma gomme? Attendez. Parce que des fois, on a besoin de petits repères. Puis on oublie de les effacer. Voilà. Alors, c'est sur le thème des vacances, de la mer. Hein. Je me suis dit qu'au moins tout le monde serait content. Tac, pareil, encore une carte pour mettre des photos. Là, pareil, avec ce joli papier. Après, là, vous mettez les photos que vous voulez, vous découpez, vous agrémentez. Enfin, voilà, c'est un album qui est brut. Hein. Il est fait et il reste à le décorer parce que je me suis dit que chacun y met sa touche personnelle et que c'est beaucoup plus joli. Voilà! Donc au choix, l'album ou le set de tampons. Je vais donc procéder au tirage au sort. Je suis désolée, j'ai un peu du mal des fois. Donc les petits noms sont dans la boîte. Ce que je vais faire, comme ça on ne pensera pas que j'ai triché. Je vais cacher la boîte, d'accord. Je ne vois rien du tout là. Et je vais aller chercher au hasard un bout de papier, d'accord. Hop, j'en ai un, ça y est, je le tiens. Alors il s'agit de Ghislaine G. Voilà Ghislaine, je vous avais gagné. Alors finalement vous avez bien fait de me renvoyer votre adresse email. Je vais vous envoyer un mail et puis on essaiera de convenir d'un rendez-vous pour pouvoir vous remettre votre cadeau. Vous choisirez celui que vous voulez, bien entendu, hein. Ou le set de tampons ou l'album, vous ferez comme vous voulez. Et puis voilà, et je vous donnerai également un catalogue Stampin' Up. D'accord? Voilà. Eh bien, je vous remercie à toutes d'avoir été présentes pour ce tirage au sort. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites très attention à vous, le Covid n'est pas terminé. Et je vous dis à bientôt!